Dans la série Confine Action, voilà le nouveau défi d'amour que je vous propose aujourd'hui. Et ce défi d'amour, c'est diffusons largement notre marque de fabrique. Alors vous le savez, on est en période d'épidémie. Et dans cette période d'épidémie, il est fortement recommandé de porter un masque, soit pour se protéger soi, mais aussi pour protéger les autres. Et vous connaissez certainement l'histoire de Tabitha dans la Bible, ou encore Dorcas, c'est son deuxième prénom. Il nous est dit que Tabitha faisait de nombreuses œuvres bienfaisantes, et notamment en confectionnant des vêtements. Alors aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'occasion d'être une Tabitha moderne. Et cela, en confectionnant nos propres masques. Si vous avez une machine à coudre, du tissu, des élastiques, alors vous avez tout le nécessaire pour confectionner vos propres masques et pouvoir en faire bénéficier des personnes qui en ont le plus besoin. Je vais vous mettre des exemples de tutos, des patrons et des liens en description de cette vidéo pour avoir toutes les informations et tout le nécessaire pour vous lancer. Vous n'aurez plus qu'à prendre vos machines et y aller. Mais vous allez me dire peut-être que vous ne savez pas coudre. Eh bien, c'est pas grave parce que vous avez certainement d'autres talents qui peuvent être tout aussi utiles dans cette période. Par exemple, dans beaucoup d'endroits, on s'organise collectivement pour pouvoir faire des fabriques de masques à grande échelle. C'est le cas par exemple de certaines églises qui organisent cela, certaines associations de quartiers ou encore même des municipalités qui organisent tout le nécessaire pour pouvoir confectionner à grande échelle des masques et pour pouvoir en faire bénéficier tous ceux qui en ont besoin. Alors pourquoi ne pas vous renseigner, voir s'il existe une telle action collective à proximité de chez vous et pouvoir proposer vos bons services, peut-être si ce n'est pas pour la couture, au moins pour la logistique, pour la désinfection des tissus ou encore peut-être pour la livraison des masques. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est vraiment le moment de partager notre marque de fabrique. Et notre marque de fabrique, c'est l'amour de Dieu. Alors allez-y, lancez-vous et puis surtout faites-nous vos retours, partagez-nous vos témoignages, que ce soit par vidéo ou par message. Vous nous envoyez tout ça à l'adresse action@topchretien.com. Je vous mettrai l'adresse en description de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire à très bientôt pour continuer à diffuser l'amour de Dieu en cette période de confinement.